Bonjour Loulou, vous arrive-t-il d'avoir de temps en temps des petites fiertés? Vous savez, des fiertés toutes simples, d'avoir réalisé quelque chose à la maison, vous avez bricolé un truc, cuisiné quelque chose, peu importe, mais vous dites, ah, oh, je l'ai fait, c'est trop cool. Et ben là, j'ai devant moi quelque chose, je suis fier, je l'ai enfin fait. Ça fait longtemps que je devais le faire, que j'avais envie de le faire, mais voilà, sachant que ça allait prendre du temps, que ça devait être un peu minutieux, etc., j'ai reporté. C'est pas que j'ai procrastiné, c'est que j'avais besoin de temps pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, je suis fier de montrer ce mur que j'ai fait avec ces cadres. Alors, je ne sais pas si ça donne assez bien. Voilà, ce sont des souvenirs du monde de la bande dessinée. Fin des années 80, j'ai travaillé avec une maison d'édition, voilà, qui était en lien avec ces dessinateurs. Et ce sont toutes des dédicaces de dessinateurs que j'ai rencontrés personnellement, et puis même des originaux ici, de coloriage. Et voilà, ça c'est une de mes fiertés, parce que ça fait partie de mon patrimoine professionnel, mais également qui fait partie de mon patrimoine en général, d'avoir fréquenté des dessinateurs. Voilà, moi il faut savoir que quand j'étais jeune, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Et voilà, tout ça je les avais depuis quelques années dans mes cartons, et je voulais les exposer, les mettre là. Voilà, ça en jette, c'est chouette. Je suis content de les avoir avec vraiment des dessins originaux, des dessinateurs, parfois, ben, parfois malheureusement décédés. Ben, ça fait partie du patrimoine de la bande dessinée belge. Voilà, et je suis fier d'avoir fait ça. Voilà, une petite fierté. Ça m'a pris du temps, mais il fallait en effet prendre un mètre, mesurer le crayon, il fallait mettre le clou au bon endroit. Voilà, il fallait quand même que ce soit assez correct. Voilà, des petites fiertés dans la journée, en avez-vous? Voilà, c'est pas une question de s'auto-glorifier, mais il est bon de se dire, punaise, j'ai réussi quelque chose, ça a fonctionné, et vous avez le droit d'être fier de ce que vous réussissez. Voilà, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À très très bientôt. Ciao ciao!